voulais juste commencer la vidéo aujourd'hui parce que je veux vlogger, mais là je m'en vais au magasin avec Alex, on s'en va voir pour nos costumes d'Halloween, des surprises, des trucs comme ça. Je vais vous donner mon opinion sur ce qui se passe avec l'Halloween tantôt, mais là je voulais juste comme starter la vidéo. Donc c'est ça! Fait que là on va aller acheter des costumes. Oui, c'est beau. Pour Alex et moi, je sais pas en tout ce qu'on s'en va avec ça, on se déguise jamais, mais là on veut faire quelque chose de spécial. On va aller au Bug Barn, on va aller au Walmart, acheter quelques petites affaires, puis en tout cas, je vous montrerai ça tantôt, peut-être pas toutes, parce que vu que les gens regardent mes vidéos par après, je veux pas qu'ils voient tout ce que... En tout cas, on verra bien, mais c'est ça, je voulais juste starter le vlog, puis on va se parler tantôt. Bye! Bon, donc on a acheté 3 pains blancs, comme ça, pour congeler, du pepperoni puis de la sauce à pizza, parce qu'Alex veut faire de la pizza demain. Fait que ça, avec du fromage râpé, 2 petits lunchs comme ça pour ce midi, du savon à main. J'ai pris baie de houx. Ouais. L'année passée, j'avais acheté celui avec les fleurs rouges, je pense. Fait que j'ai poussé le faire changement. Alex, c'est plus un gel de douche. Moi, j'avais plus de démaquillant, puis je prends tout le temps. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Puis, j'ai acheté ça parce que ça fait comme un bout que je vois ça partout, puis j'ai jamais goûté à ça. Puis là, j'attendais Alex au bord, puis j'ai vu ça. Fait que j'ai pris ça. Puis là, je vous montre pas tout parce que je veux pas que les enfants voient le vlog puis qu'ils voient nos costumes puis t'sais, les bonbons puis ce que j'ai acheté. Fait que je vous montre juste les choses, dans le fond, que je peux vous montrer. Au Walmart, tous les accessoires d'Halloween puis les costumes d'Halloween étaient à 50%. Fait que ça vaut vraiment la peine. J'ai acheté des verres comme ça, mais là, j'ai fait un vol. Il y avait un paquet dedans puis moi, j'ai genre pris le paquet puis je suis partie avec ça. T'sais, j'ai comme scanné un coup, mais je suis partie avec deux paquets. J'en ai ben trop, mais là, 98 cents. Hein, puis même, je pense qu'il était à moitié prix. Donc, hein, ça n'a pas coûté cher. J'ai acheté ça, qui est comme une espèce d'ombre à paupières ou je ne sais pas trop brillant. On va voir à quel point c'est opaque. J'ai acheté des petits crayons comme ça. Puis j'ai acheté des fossiles. Je sais pas si je vais être capable de coller ça. Je vais essayer. Mais tu sais, il revenait genre à même pas 2$. Là, fait que j'ai essayé ça. Une nappe, c'est la dernière qui restait. Puis des assiettes. Puis Charlie, elle se déguise en sorcière. Ben, si elle se déguise à l'école, elle va être en sorcière. Puis durant notre souper aussi. Fait que là, je l'ai ouvert, là, mais c'est une perruque. Dans le fond, il n'y avait pas de chapeau. Fait que c'est une perruque avec deux mèches blondes, blanches en avant. Puis c'est les autres choses, je peux pas vous les montrer. OK, tout le monde est parti dehors. Fait que je peux prendre un peu de temps pour vous parler. Il me semble que depuis ce matin, je fais juste comme vous pitcher plein d'affaires. Puis que je vous dis rien de vraiment constructif. Je vais vous mettre ici. Ouais. Que là, dans le fond, il est 1h15. Ils sont partis dehors. Moi, je vais. J'avais pas faim, fait que je me suis juste fait un shake yo comme ça, puis j'ai mangé un yogourt. J'ai mis du prénat dans mes cheveux matin dans ma couette. Fait que c'est ça. fait que c'est ça. C'est ça. Ils ont dîné. Moi, j'ai rien de boire ça. Je vais attendre un petit peu après ça. Je vais aller me changer, puis je vais prendre mon pre-workout, puis je vais faire mon entraînement tout de suite. Parce que dans le fond, je sais pas si j'en avais parlé, le nouveau programme que je suis, c'est 5 jours semaine. J'ai imprimé le calendrier, puis c'est vraiment comme lundi, mardi, mercredi, c'est pas juste des chiffres. Puis moi, j'aime ça suivre le calendrier à la lettre. Fait que, habituellement, le samedi, dimanche, il n'y a pas d'entraînement. Sauf que là, vu que j'ai commencé le programme mercredi. Fait que pour pouvoir vraiment suivre le programme comme il faut avec le calendrier, fait que lundi prochain, je vais être rendue à la même place. Ce que j'ai fait, c'est que hier, j'ai fait un double. J'ai fait les abdos et le cardio. C'était rushant. Mettons qu'après 1 heure, j'étais vraiment crevée. Puis aujourd'hui, c'est les jambes. Mais ce qui est fucké, c'est que me semble que c'est des jambes depuis lundi. Mais c'est correct. Ce qu'il faut, c'est ça que je veux. Je veux travailler mes jambes. C'est vraiment ça l'objectif. Les jambes, puis faire brûler un peu de graisse au niveau du ventre. Fait que c'est vraiment... les exercices sont vraiment ciblés sur les jambes, les abdos, les fesses. Fait que je vais avoir des pas pires résultats. Puis on le sait quand on fait les exercices, c'est vraiment directement les fesses puis les cuisses qui travaillent. Fait que... C'est ça. Fait qu'on va travailler fort, puis on va continuer. Fait que là, aujourd'hui, je veux faire mon entraînement de jambes. Puis demain, ça va être un rest day. Comme ça, lundi, je vais être à jour. Je vais pouvoir suivre mon programme. Puis c'est ça. Fait que là, ce matin, on s'est dépêché. On s'est levé. On est allé au magasin tout de suite en se levant. Je voulais vraiment accrocher ça le plus tôt possible. Puis comme de fait, j'ai vraiment eu raison d'y aller tôt. Parce que dans le fond, quand ils ont annoncé que finalement, on pouvait passer l'Halloween légalement, ben le Walmart, en tout cas Drummond, ils ont tout mis
les costumes, les accessoires à 50%. Fait que là, ce matin, il y avait du monde en maudit dans la section Halloween, on va vous dire. Moi, les enfants, ils passent pas l'Halloween cette année. On a pris cette décision-là. Alex et moi, ça fait déjà plusieurs semaines. Quand cette semaine, ils ont dit « Ok, vous pouvez passer l'Halloween avec certaines choses à respecter et tout », c'était pas assez de choses pour que je sois vraiment à l'aise de laisser les enfants passer l'Halloween. Fait que j'ai décidé de conserver le plan de base qui était qu'on allait se faire un souper. On va se commander de la pizza, des frites, de la sauce, on va se faire une grosse bouffe avec des assiettes d'Halloween, une nappe d'Halloween, tout le kit là. Puis je vais cuisiner un dessert, je sais pas quoi encore. On va regarder ça. Puis le but c'était vraiment de faire en sorte que ils se souviennent de l'Halloween 2020, mais autrement. J'ai bon pour dire que cette année, il n'y a rien de normal anyway. Fait que je pense pas que le fait de pas avoir un Halloween normal va vraiment être une grosse perte dans la vie de mes enfants. Oui, Elliot, il aime ça passer l'Halloween, comme n'importe quel enfant. Mais là, il va falloir que tu reviennes chez vous avec tes bonbons. Puis le fun, habituellement, quand tu passes l'Halloween, c'est de trier tes bonbons. Puis tout, mais là, il faut prendre ces bonbons-là, puis les mettre 48 heures en quarantaine. Fait que là, tu reviens, ta collègue de bonbons, tu peux même pas trier, là. Tu peux pas les manger tout de suite, ces bonbons-là. Fait que ça, c'est une chose que je trouve vraiment comme plate. Autre chose, on s'entend-tu que c'est pas tout le monde qui va donner des bonbons de façon, tu sais, à respecter le 2 mètres et tout. C'est pas tout le monde qui va se casser la tête pour trouver des façons originales, là. Puis moi, je suis pas à l'aise du tout avec le fait de laisser un plat, puis laisser les enfants piger un sac dans le plat, parce que tous les enfants vont avoir mis leurs mains. Je suis pas à l'aise avec ça, du tout, du tout. Il suffit d'une madame qui donne des bonbons, qui est positive, puis elle sait pas, puis elle fait des sacs de bonbons, elle contamine toutes les autres, je sais pas. Je trouve que ça va dans le sens contraire de tout ce qu'on fait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. On répète qu'il faut garder le 2 mètres, rester à la maison le plus possible, limiter nos contacts. Puis là, on nous dit, tout ça, vous respectez ça, mais vous avez le droit d'aller faire du porte-à-porte. Parce qu'on veut pas enlever l'Halloween à nos enfants. Puis tu sais, mais tout s'explique dans la vie. Là, je comprends que ça fait pas plaisir à tous les enfants de pas avoir d'Halloween, mais je pense que ça fait partie aussi de nos responsabilités de parents de discuter avec nos enfants, dépendamment de l'âge. On s'entend, moi, les miens, à l'âge qu'ils ont, je suis capable de discuter avec eux autres, tu sais. Mais c'est ça. J'étais juste pas... J'étais pas à l'aise du tout, du tout, du tout, du tout dans l'idée d'aller me promener, d'aller cogner aux portes des voisins, de ramener des bonbons qui viennent de je sais pas trop où. C'est ça, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Fait que ce que j'ai fait, c'est ça, je suis allée chercher des bonbons au Bug Barn puis des petits sacs. Je vais séparer les bonbons dans des sacs, je vais les cacher dans la maison, leur donner des indices, ils vont chercher des bonbons, ils vont avoir chacun leur petit sac. J'ai acheté des choses comme un peu plus spéciales pour faire les sacs, les derniers sacs, la fin de la chasse aux bonbons. J'ai acheté un kit de biscuits à décorer. Alex et moi, on va être déguisés. Fait que tu sais, le but, c'est vraiment de faire quelque chose de cool pour se dire, OK, l'Halloween 2020, c'est l'Halloween de la COVID, mais on a fait quelque chose de cool quand même. On s'entend que même nos fêtes de Noël seront pas pareilles, tu sais. Tout va être différent cette année. On est sur la bonne voie, là, fait que je vois pas pourquoi j'irais faire du porte-à-porte avec mes enfants puis les mettre face à tout ça. Puis non, je suis pas à l'aise. Mais je pense que là, au final, tout ça, c'est vraiment une décision personnelle. Il y a plein de monde dans mon entourage qui passe l'Halloween quand même, puis je juge zéro, puis une barre. J'espère qu'eux ne me jugent pas non plus, mais c'est ça. J'ai décidé de faire ça autrement cette année, puis c'est ça. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer nos costumes, mais je veux pas vous les montrer parce que les enfants regardent mes vidéos, puis j'ai pas envie comme de... Je veux vraiment que ce soit une surprise, tu sais, je veux vraiment qu'on sorte la chambre à l'exprimer avec nos costumes, puis qu'ils font comme... Oh my god! Puis tu sais, ils vont être surpris parce que moi, Alex, c'est tellement pas son genre de se déguiser, vraiment pas. Fait que tu sais, je veux qu'il soit surpris, puis tu sais, je veux qu'il s'en souvienne, là. Fait que. Mais j'ai fait des super de bons deals pour vrai sur les costumes au Walmart, fait que je suis bien contente. Puis je me dis sûrement qu'à l'école aussi, ils vont se déguiser. Fait que. Puis tu sais, au moins, j'ai acheté vraiment des bonbons qu'ils aiment. J'ai pas acheté de gomme puis de suçon parce que moi, j'haïs ça quand ils mangent la gomme, des suçons. Fait que j'ai acheté vraiment des affaires qu'ils aiment. Puis. Je n'ai pas acheté une tonne non plus, fait qu'ils n'en mangeront pas pendant des semaines pour finalement jeter la citrouille de bonbons aux poubelles. Tu sais, j'ai été raisonnable. Puis, mais c'est ça. Fait que
Je vous juge pas. Si vous décidez de passer l'Halloween, je vous juge pas, mais je suis quand même curieuse. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez faire, vous. Est-ce que vous passez l'Halloween normalement ou si vous faites autre chose, j'aimerais ça le savoir. Fait que c'est ça. Là, je vais finir mon petit shake, faire mon pre-workout, aller m'entraîner. Après ça, c'est ça. On va commencer par ça, ok? Romane, il fait dodo sur le toutou. Tu vas oui à maman. Oh, quoi, t'es beau. T'es tellement beau. C'est plus fort que moi. Faut toujours que j'aille le réveiller. Oh. Ouh là 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 là. Ok, fais dodo. Ok, je m'en fais. Oh, mais t'es beau. T'es beau. Oh, que t'es beau. Ok, c'est fait. J'ai plus de jambes. Il est déjà rendu 3h30. Je me suis entraînée beaucoup plus tard que prévu. Là, j'ai flâné un peu, honnêtement. Puis, c'est ça. Fait que là, je m'apprêtais à faire le souper tranquillement, pas vite. Là, on ne saura pas tout de suite. Mais moi, je compte avoir faim, étant donné que j'ai pas dîné. Fait que je compte avoir un petit peu faim. Pour souper, ce que je fais, c'est des boulettes de poulet haché avec des courgettes, ben des zucchini. Puis du feta dedans. C'est vraiment bon. J'ai déjà fait cette recette-là. Je suis pas mal sûre que je l'ai déjà fait. C'est vraiment... C'était bon. En tout cas, je suis pas mal sûre que c'était bon. Puis on va faire cuire aussi de la petite saucisse comme ça parce que les enfants, ils aiment vraiment beaucoup cette saucisse-là. Fait que je vais faire cuire ça au four. Puis pendant que je fais tout ça, tant qu'à être dans la popote, je vais aussi faire ma recette de tofu sauce arachide pour les dîners dans les prochains jours pour moi. Fait que ça va me faire des dîners. Dans ce temps-là, je suis moins tentée de manger n'importe quoi. Fait que je vais faire ça, puis j'ai soufflé. J'ai vraiment mal aux jambes. Je comprends pas. Ben, je comprends parce que pour vrai, ils travaillent les jambes en tabarnouche, mais tu sais, ça a l'air tellement inoffensif comme programme, là. Honnêtement, quand j'ai commencé, je me suis dit, oh, ça va être facile. Je me suis vraiment dit ça. Genre, je me suis à côté d'FBF, MBF, ça va être vraiment facile. Puis finalement, c'est rough. C'est rough. Ça travaille. Fait que c'est ça, je m'en vais faire ça. Alex est déjà dans la douche. Eliott est déjà en pyjama. Chaque va aller se laver après ça. Puis je pense bien que je vais me laver moi aussi avant de souper. Tu veux regarder dehors, maman? Tiens, mon bébé. Tiens, vas-y. Tu peux y aller. Le monde se demande pourquoi je mets des chaises sur le bord de mes fenêtres, mais c'est parce que mon chat s'assied puis il regarde dehors. Fait que oui. Ça fait dur en maudit ma cuisine, qu'il y a des chaises partout. Mais mon chat est vraiment heureux, pis c'est tout ce qui compte. Fait que là, j'allais faire ma recette de galette de poulet, feta et zucchini. Quand j'ai vu qu'Alex avait pas acheté des zucchini, mais des maudits gros cocombes. T'entends-tu que je peux pas mettre des cocombes dans mes galettes? Ça, là, ça me fâche. J'avais tellement le goût de manger ça en plus. Mais en tout cas, moi j'ai du tofu. Puis il est vraiment bon. Mais c'est juste décevant quand t'as le goût de manger quelque chose. Puis que finalement, tu mangeras pas ça. Le pire, c'est qu'il m'ostinait. Il est revenu dans la maison pour que je lui montre. Puis il dit, ça ressemble vraiment à des zucchini, ça? Non. Cocombe, zucchini, cocombe, zucchini. Allô? Oh. On va enlever les lumières, hein, parce que sinon il y a des reflets dedans. Hey, j'espère que vous avez passé une belle soirée. Il est rendu 7h30. Puis Alex a sorti des vieilles tunes sur YouTube. Fait que il est en train d'écouter ça avec Eliott. Puis Eliott il mange à collation, il va aller faire dodo comme très bientôt. Eliott est super fatigué ces temps-ci. Puis on a quand même la misère à le coucher le soir. T'sais, rendu le soir, on dirait qu'il y a comme un regain. Sauf que le lendemain, ça paraît toujours qu'il est fatigué, tu sais. Mais le soir, il y a un regain. Et qu'il dit ça. Mais là, j'aimerais vraiment ça qu'on reste à coucher bientôt. Moi, j'ai pas soupé encore. Dans le fond, les enfants mangent de la saucisse avec des nouilles. Puis Alex, il avait dîné comme super tard, fait qu'il a pas mangé. Puis moi, j'ai comme picossé dans les assiettes un peu, fait que j'ai pas ressoupé. Quoi? Quoi? Dans ma chambre? Ah! Oh! Ok, je suis de retour. ouais, je sais plus ce que je disais, par exemple. Qu'est-ce que je disais?
sais plus. En tout cas, ça devait pas être important. Ah oui, je disais que je vais se manger du tofu. Mais peut-être je vais me faire une toast aussi, là, rendue à l'heure qui est. Ah, je sais pas. Puis c'est ça. Fait que là, dans le fond, on avait de la vaisselle, j'ai tout ramassé, puis je me suis installée à l'ordinateur tout de suite, là, vu que tout le monde était super tranquille, je me suis déjà travaillé un petit peu. Je suis en train de tout refaire mes visuels de. Ben, tu sais, mettons que je fais de la pub sur Instagram en story, ben là, j'avais un visuel avec mes photos, mais je trouve que mes photos, c'est comme les premières que j'ai prises quand j'ai recommencé le coaching, mais que j'ai repris une nouvelle photo depuis, puis j'ai un nouveau filtre, mes photos sont comme plus uniformes, fait que je vais utiliser ça, puis refaire un peu mon. Ben, ces pubs-là, dans le fond. Il y a ça que je veux faire. À partir, dans les prochaines semaines aussi, je vais commencer à fournir un menu à toutes mes participantes. Fait que je veux voir comment, sous quelle forme que je vais envoyer ça. Si je vais envoyer comme les liens des recettes, s'il n'y a pas de lien, je vais la recopier. Si c'est une recette en anglais, je veux la traduire. Fait que je vais préparer ça. Probablement à partir du mois de novembre que je vais commencer ça, envoyer les recettes. À partir du mois de novembre, je veux commencer à envoyer des menus. C'est ça. Je vais commencer à envoyer les menus. C'est genre des déjeuners, des dîners, des soupers, des collations. Fait que toutes les nouvelles filles qui vont embarquer avec moi, ben, ils vont avoir droit à leur menu. Puis je vais aussi l'envoyer à toutes les filles qui sont déjà embarquées, là. Fait que à toutes les semaines, ça va être un nouveau menu. Je le fais pour moi. Fait que je me dis pourquoi pas faire profiter les autres filles aussi. Fait que je vais le faire. Puis je suis en train comme de créer quelques recettes aussi qui vont être exclusives au groupe de participantes. Fait que c'est ça. J'ai plein de choses à faire. Puis j'ai aussi lancé un concours sur ma page Facebook de participantes. Je vais faire tirer des chéquéos à la citrouille parce que c'est ça. Ça me tente de motiver les filles. Fait que dans le fond, les filles, il faut qu'ils participent pendant une semaine en postant genre leur entraînement ou leur bouffe ou leur recette. Puis moi, je vais pouvoir prendre toutes les filles qui ont participé puis je vais faire tirer 3 sachets de chéquéos à la citrouille. Qu'est-ce que c'est ça? Pas mal ça. Je vais mettre un vlog aussi pour demain matin. Puis après ça, ben ça va être l'heure de prendre ma douche puis de m'écraser devant la télé. Qu'est-ce que je pourrais écouter ce soir? Faudrait vraiment que je commence mon fils. Oh non, il y a de la lutte hier que j'ai pas écouté. J'ai écouté de la lutte, c'est ça que je vais faire. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée. Je sais pas si je vlog demain. Je vais voir, ça va vraiment dépendre. Je pense que j'ai comme 4 vlogs à poster. Fait que je veux vraiment pas prendre comme. Ben, j'aime pas ça avoir comme un gros décalage entre le moment que je vlog et le moment que je le mets en ligne. Fait que c'est ça. Je vais voir. En tout cas. Fait que bonne soirée. On se reparle bientôt. Bye!